invincible. Sur le chemin de ma destinée, mes amis sont à mes côtés. Une telle rage de vaincre nous anime, que nous réussirons cette épreuve ultime. Sur la terre, en mer ou dans les airs, je triompherai de mes pires adversaires. Tu m'étonnes. Mais comment t'as fait pour nous rattraper en fait? J'ai volé. Ah oui, pas con. Mais tu... Mais on... Mais pourquoi on l'a pas entendu qu'il soit à nouveau en forme et nous aurait emmené? Oh, t'es tellement plus simple. C'est un dragon le truc, hein? Oui, mais bon, il peut se transformer en tout, j'ai envie de te dire. Bah non, en seulement ceux qui sont passés à côté de moi. Et seul que j'ai. Ça fait... Et le seul que j'ai croisé, c'est un dernier néant. Genre, t'as jamais croisé de Pokémon dragon de ta vie, toi. Et pas ici. Vous êtes fous, quoi, y'a pas de dragon ici. Ou même. Oh, puis merde. Bon, sinon, comment on fait pour notre ami, là, il est KO, là. Pendant ce temps, du côté des souffrants. Et l'autre, je pense qu'elle va pas tarder à tomber. Et Pierre, ça va aller. Et toi, Aurastit Je sens que j'ai pas tardé à le rejoindre. Ah non, au revoir, non. C'est un plaisir de vous connaître. Non, ça va aller. Ciao, à plus. Bon, métamorphe, là, on fait comment, nous? Écoutez, moi, j'attends justement que vous sortiez votre badge. Quel badge? Mais quel badge? Comment ça, quel badge? Attendez. Vous êtes pas l'équipe de secours qui était censée venir? On a une tête d'équipe de secours? J'aurais dû me dire aussi, vous étiez bizarre. Mais non, je te permets pas! On se réveille un matin dans une forêt, on nous prend pour une équipe de secours, non mais n'importe quoi. Une équipe de secours, ça existe chez les Pokémon? Et puis, mais enfin, qu'est-ce que vous me racontez? Bon, vous m'avez l'air clairement perdu. Il y a une ville, pas loin. Donc, vous n'avez pas de badge. Ok, laissez-moi réfléchir. Alors, ce qu'on va faire, on va faire le chemin inverse. Ça va nous prendre un bon bout de temps. Mais on va rentrer, y a pas le choix, à pied. Ouais. On peut dire que là, on a un KO, hein, qui va pas tarder à être KO, donc... Ah, écoute, je peux les si ça les, je vais les traîner, je vais les attacher avec mes lianes, je vais les traîner. Demain, ils vont nettoyer la fourrage. Qu'est-ce qu'ils ont ceux-là? Bah, y'en a un qui est KO et l'autre qui est empoisonné. Ah! CNB Orange, je dis pas non. Ah bah. T'aurais pas un rappel ou un truc du style? On trouvera sans doute tout ce qui. Un quoi? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ils me connaissent pas, réfléchis. Ah merde, rappel. C'est vrai. Ah, oh, c'est vrai, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il dit, votre carapace? Oui, bah, excuse-moi. Hein. C'est rien, il dit vague, il a. C'était un humain avant, hein. Oui, il a. C'est rien, il a respiré l'air de la forêt. Qu'est-ce que t'as dit, Dark? J'ai pas compris. J'ai dit que. J'ai gueulé. Eh, c'est bon, avant c'était un humain, donc bon. Tu les vois tous les deux écarquiller les yeux? Quoi? Non, mais. Non, rien, c'est la forêt, les différentes odeurs, ça le perturbe, il a pas l'habitude. Vous avez de vu, si l'arbre qui a reculé, qui s'est planqué là à son père, il y a Métamorphe qui fronce ses sourcils. C'est pas drôle, clairement pas. Bon, désolé. Mais pas drôle, pourquoi exactement? Si c'est pas indiscret, bien évidemment. Ok, vous êtes clairement pas d'ici, vous. Non. Mais du coup, on peut avoir des explications? On est où ici, en fait? Comment ça, où? Non, mais attendez, vous savez même pas où vous êtes. C'est-à-dire, on était dans un endroit, je t'explique, et en fait, on s'est réveillé ici, alors qu'on n'était pas au même endroit qu'on était au tout début, tu vois? On nous a un petit peu forcé à venir ici, on n'est pas au courant de quoi que ce soit. Et qui vous a obligé à venir ici, enfin? J'en sais rien, justement, on dormait, pépère, et quand on s'est réveillé, on s'est retrouvé ici, loin de notre famille, loin de tout, voilà, quoi. Ma foi, c'est les kidnappeurs commencent à faire ça, c'est bizarre. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on
je vous propose de venir au village, hein. Vous aurez tout ce qu'il vous faut, après tout vous avez sauvé mon fils, je pourrais vous récompenser pour ça. Bah allons-y alors, parce que il y en a deux là qui sont très très mal en point, et dont une qui vient de gueuler. Bougez pas. Vous voyez donc que le métamorphe s'approche, et vous le voyez sortir différentes baies. Sur le chemin, j'ai trouvé tout ce qu'il faut. Bon, pour votre ami qui est mal en point, malheureusement. Hormis garder en vie, je ne peux rien faire de spécial, mais il y aura tout ce qu'il faut à l'auberge. Oh, tant mieux. Et même Maurice saura s'occuper de lui, il y aura pas de problème. Je me jette sur les bébés chats et Oran et je les engloutis d'un coup. Mais tout simplement, c'est un qu'il faut les bouffer. Tu remarques rapidement, Orastis, que le goût de ces baies, ça n'a pas le même goût que si tu avais goûté humaine. C'est clairement hyper bon. Tu vas avoir les yeux qui s'écarquillent, tu sais, un peu comme les chats, les choses qu'ils aiment, les pupilles qui se dilatent. Disons, c'est délicieux, elles proviennent de... J'en ai jamais goûté d'aussi bonnes. Ah ben, je sais pas, elles sont classiques de la forêt, vous trouverez ça partout. Bah, celles de chez moi, en tout cas, elles sont pas aussi bonnes. Bon, allez, il est temps d'y aller, la nuit va bientôt tomber, il va falloir qu'on campe pour la nuit en pleine forêt. Pas de badge. Ouais, on va peut-être éviter. Je sais pas si vous êtes un groupe de secouristes, mais vous êtes clairement de sales débutants, hein, franchement. Bon. On est pas des secouristes, on est ailleurs. Tais-toi, toi. Arrête de divaguer. Vous êtes pas des secouristes. Bah oui, mais ça merci, j'avais bien remarqué. Cela dit, vous avez un talent certain, hein. Là, honnêtement, vu ce que vous avez fait, c'est assez impressionnant. On était bourrin dans une vie antérieure. Oh, tu me diras, nous, on a bien réussi à battre d'autres créatures beaucoup plus terrifiantes. Hein. Ah bon? Ici? Oh oui. Tiens, je viens frapper le carapace. J'allais faire la même. Je précise pas. C'est pas grave, tu prends quand même un coup dans la gueule de ma part. Ouais. Et je prends du salamèche pareil. Mais Seiko, tais-toi. Maman, elle a dit qu'il fallait pas taper. Oui, mais carapuce, ferme ta gueule. Si tu portais Hérissandre au lieu de parler, ce serait peut-être mieux. Oui, c'est pas mal. T'as une carapace, toi, tu peux le faire. Moi, je porte pas un truc qui crache du feu. Bon, d'accord. Il y a Simulard qui dit à son père, hein. Ils vont bien s'entendre avec Tata Kai, je crois. Pardon. Vous inquiétez pas, c'est notre responsable de l'auberge. Hein? Oh merde. Bon, on se met en route? Oui, allons-y. Ouais. Du coup, il commence à repartir. Vous les suivez? Bah oui. Ok. Portant Hérissandre. C'est là que je me plains de pas avoir de musique de la nuit. Vous allez donc pas réussir à traverser toute la forêt. Vous allez attendre un sacré bout de temps. Puis au beau milieu de la nuit, il va vous dire qu'il vaut mieux s'arrêter. Et vous allez donc dormir, là, comme ça. Clairement, les habitudes sont pas les mêmes. Là, vous le voyez, eux, ils se sont mis au-dessus d'un arbre. C'est tout ce qu'ils ont fait. Je sais pas si vous les suivez ou autre chose dans le même arbre. Il est assez grand. Bah, ouais. Je peux faire un ascenseur avec le foliane pour grimper. Oui, pour mal grimper tu peux grimper largement avec le foliane. Ah. Et les autres, ils s'émerdent. Est-ce qu'il y a un petit coin d'eau par hasard? Non, vous êtes en pleine forêt, y a pas de coin d'eau. Sauf Saiko, si tu veux, je te monte. Enfin, je montais les blessés après les autres. Mais je te disais, excuse-moi, est-ce qu'il y a un coin d'eau par hasard? Juste au cas où, effectivement, il vaudrait mieux monter tout le monde. Et où je t'ai déjà répondu, j'ai dit non, il n'y a pas de rivière ni rien du tout dans le coin là. D'accord, bon, bah je vais grimper aussi. Hein. Enfin. Bon, du coup, il y a ce Fumulard qui commence à s'endormir. Il se pose, et du coup, il y a le métamorphe qui se met à côté de vous. Bon, j'imagine donc que vous êtes pas d'ici. Si vous avez des questions, allez-y. J'en ai une, mais votre réaction m'incite pas à la poser. Comment s'appelle ce lieu? Vous êtes sur l'île de Shoshin. Shoshin. Hors RPMJ, est-ce que ça nous dit quelque chose? Absolument rien. Shoshin, Shoshin, c'est à côté de quoi? D'une mer, d'un océan, d'autres villes? Ah bah nous sommes dans l'océan, ça. C'est une île. On peut pas faire plus l'océan, ça. Et votre pourquoi quand il a lui quand il a dit humain, vous avez une réaction bizarre. Pourquoi? Mais enfin, vous venez de quelle île vous? C'est une bonne question. Triangle.
Voilà, merci. Bon. Comment ? Et c'est une jungle, c'est une sorte de grande jungle où il n'y a pas beaucoup de technologie, on sait juste que les Pokémon sont très très respectés là-bas. Yang. Non, c'est Yang, ça, le J se prononce Yang. Les îles Yang. Une jungle, vous dites ? Oui, une très grande jungle. Là, comme ça, je dirais l'île Nazo, mais Yang, je connais pas du tout. Je sais pas, c'est peut-être le nom de votre village. Je suis jamais allé là-bas. J'ai jamais quitté Shoshin. Alors, je vais nommer le nom du village. J'étais pas loin avec ma mère quand j'étais encore humaine. Il a pas de nom, le village. Ah. Bon, bah, je vais essayer de décrire les alentours, à quoi ça ressemble, etc. Là, ça va pouvoir faire tilt dans vos têtes. Zuko, Seiko et Meiko, les îles Yang, le petit village qui n'a pas de nom, bah, c'est le village que vous connaissez dans ce fameux village. Dans cette fameuse île, il n'y en avait qu'un seul. Ah oui, le fameux village. Ah oui. Eh ben, ma foi, ça ne me dit pas grand-chose. Il y a effectivement juste un petit village là-bas, mais... Et encore, je suis même pas sûr, hein. C'est ce que j'ai cru comprendre dans les réunions, mais... Là, comme ça... Les réunions ? Ça me dit rien. Ah, oui, vous avez devant vous... vous le voyez, bomber le torse. Vous avez... Ou du moins ce qu'il a comme torse. Oui, voilà. Vous avez devant vous... Le maire. Le maire ? Vous le voyez les yeux fermés comme ça avec un petit sourire. En mode, allons enfants de la patrie. Avec un petit drapeau qui commence à apparaître derrière lui. Exactement, non mais là, c'est limite s'il n'y a pas des Pokémon qui défilent derrière lui. Il reste comme ça, statique. Vous êtes le maire de la ville qu'on va visiter ? Ça vous fait aucun effet, d'accord. Bon, faudra que je retravaille ça. Vous voyez, sera installé. Oui, je suis effectivement le maire du village. Et comment il s'appelle le village ? Exactement. Il est totalement nouveau. On a juste installé quelques petites affaires. Il n'a pas encore de nom. D'accord. Je savais même pas que les Pokémon pouvaient créer des villages. Mais vous avez pas répondu à ma question. Vous voyez. Le métamorphe qui regarde, mais d'un œil, il ne comprend, mais pas du tout, votre ami Carapuce. Vous avez toujours pas répondu à ma question. Donc, vous avez changé de sujet. Quand je vous ai parlé par rapport aux humains, pourquoi vous avez réagi comme ça, vous avez changé de sujet, vous avez demandé de vous donner. Oui, vous avez pas répondu à ma question. Non, c'est juste que je comprends pas votre réaction, en fait. La réponse est évidente, et je pense que c'est comme ça dans le monde entier. Les humains ont toujours été un danger pour nous. Ah. Pourquoi ça ? Enfin, j'ai pas vécu à cette époque, mais quand les humains étaient encore là, il paraît que justement, je me rappelle de toutes sortes d'histoires, hein, des expériences, ils nous faisaient combattre comme, rien que l'idée me débecte. Je n'ai jamais compris. Et vous dites été ? Attends, encore là ? Été ? Ah bah en tout cas ils ont officiellement disparu, et ceux qui n'ont pas disparu, croyez-moi qu'ils sont traqués. C'est pour ça que c'est depuis pas drôle votre petite blague. Quoi ouais. Depuis combien de temps ont-ils disparu ? Oh, je sais pas, depuis des siècles et des siècles. Eh ben, et qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous savez ? Est-ce que il y a eu une sorte de conseil des Pokémon ? Est-ce qu'il y a eu une révolte ? Non, ils ont juste disparu. Il n'y a pas... Disparu comment, c'est-à-dire... Ce pouf disparu dans les airs, est-ce qu'il y a eu un météore, un séisme, un tsunami ? Écoutez, là vous me posez des questions un peu trop précises. Tout ce que je sais des humains, c'est que si on en croise ou quoi que ce soit, il faut surtout pas les approcher. Ils mordent ? Mordent ? je crois qu'ils ont fait d'ailleurs bien pire. Hein. Ils ont réduit les Pokémon dans l'esclavage, ce genre de choses. Ça dépend des gens. Moi, ce que je sais, c'est que pour le peu que je suis au courant, je préfère autant ne pas avoir affaire à eux. Oh, dans mon village, en tout cas, il y a des légendes où les humains donnaient des friandises sucrées aux Pokémon et ces friandises étaient très très appréciées. Ah, j'en ai entendu parler de ça. Il paraît que c'était justement une méthode pour faire en sorte de les amener plus vers eux. Mais bon, comme je vous l'ai dit, malheureusement, fort heureusement, je n'ai pas connu
cette époque, et dans ce cas... Après, je vous ai dit, attention, je vous ai dit des siècles, mais ça, c'est ce que m'a dit mon propre père, donc du coup, j'en sais absolument rien. Memory, par contre, elle a... Et notre archiviste, elle connaît très très bien tout ce qui est dans le domaine de l'histoire, et pourra parfaitement vous renseigner, je pense. Ah, je trouve dans la vie. Et pourra d'ailleurs aider votre ami. Oui, il faudra qu'on aille la voir. Mais du coup, le monde, là ici, on est sur une île, mais est-ce qu'il y a des... Le monde est plus vaste, beaucoup plus vaste, ou c'est composé de plein de petites îles? Ah ben, comme je vous l'ai dit, j'ai jamais quitté Shoshin, mais de ce que les équipes de secours qui voyagent sont venues me dire, non, c'est une... il y a plusieurs grandes îles, plusieurs archipels. Il y a une capitale Pokémon? On a une capitale. Comment elle s'appelle? Second, je retrouve le nom. J'imagine Voilà, c'est les îles Maguni. tellement le métamorphe. Les îles? Maguni. Magouni. Magouni. D'accord. Là-bas, il y a le centre spécial, il y a un très très vieux conseil, c'est nos plus anciens Pokémon qui font en sorte de justement gérer les systèmes des équipes de secours. C'est pour ça, quand je vous ai vu, je croyais que vous en faisiez partie. Vous avez un groupe assez rare, si je puis dire. Surtout toi, Pourquoi Ryo. rare? Ah bah déjà, vous avez Hein? un Riolu. Spécialisés dans les équipes de secours? Oui, en tout cas le dernier que je connais, oui. Et je crois que c'est le seul qui est connu dans le monde, donc. Mais est-ce que c'est nous, parce que nous, on vient d'un endroit assez reculé et on n'est pas vraiment bien au courant au sujet des équipes de secours, tout ça, donc bon, Bah, décidément, jamais eu vraiment besoin d'en. je sais pas dans quel patelin Vous vous dites, on vivez, est mais là. bon, les équipes de secours Ah, sont utiles ah dans le monde oui. entier. D'accord. Bon, bah. Je sais pas, comment vous réglez vos problèmes, vous, dans votre île? On n'a jamais de On a une problème. milice, hein. Il y a une milice qui est là pour Ah gérer les oui, non, mais soucis. une milice, ça oui, mais ça ne suffit clairement pas. Ben, Chez nous, on ça y arrive, suffit. nous. Ah bah, ça doit vraiment être une petite île. Ah oui, je vous l'ai dit, on est vraiment dans un petit coin paumé chez nous. Mais si petit que ça, vous êtes jamais attaqué par les Pokémon. Oh! Bah non, jamais. Faudra que vous me disiez où c'est, je prendrai bien quelques vacances un jour. Mais pas de problème. Et ma retraite surtout. Bah Ah! écoutez. Attendez, je sais! C'est peut-être ça, d'accord. Vous êtes en fait. C'est une île sanctuaire, c'est ça? Oui, voilà, exactement. C'est ça, oui, c'est D'accord! ça. Je comprends mieux, mais il fallait commencer par là. Vous servez qui? Ah, bah excusez. Ah, comment il s'appelle déjà, je me rappelle plus. Lugia? Moi, je l'aime bien. Lugia? Ah, Ouais. d'accord, vous êtes là-bas, mais vous êtes nouille, hein, vous êtes pas foutu de connaître le nom de votre propre île. Excusez-nous, mais Ah, bon, j'ai eu un vous trou de savez. mémoire avec tout ce qui s'est passé là. C'est les Darvenins, le poison, vous savez, ça monte à la tête. C'est ça. J'ai J'ai pas reçu de dégâts, moi. Vous êtes tellement pas crédible. J'en ai J'avoue, je suis Tatane complètement est un KO, amphibie, moi. crois. Ah, mais je comprends mieux maintenant votre petit village perdu dans la jungle, ça correspond pas. Vous venez de l'archipel Aiwa. C'est ça, voilà. D'accord, ok. Peut-être pour eux, mais de mon côté, je proviens des, enfin, de la grande jungle. Ah, d'accord, donc vous venez bien de là-bas, ok. Oui, moi je suis bien de l'archipel Ah, bah, de très Lugia. bien. Voilà. Écoutez, c'est bizarre, hein. Surtout Ewa, c'est une des plus grosses métropoles, il y a plusieurs villages là-bas. Il y a plusieurs équipes de secours. Ah, il y en a pas sur les îles légendaires, justement. Peut-être. Hein. Vous avez vécu une drôle de vie, c'est tout ce que j'ai à dire. Je reconnais que oui, c'est toujours été bizarre. Ouais. Enfin. Ben écoutez. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur le vaste monde, même si je le connais pas plus que ça. Ah bah ça sera avec plaisir, hein. Bon là je pense que je vais me reposer un peu parce que la journée a été difficile, mais après ça sera avec plaisir que oui, on viendra voir sur les deux questions. Ça marche juste. Qui représente l'équipe de secours dans votre village? Qui est le chef des équipes de... Qui est le chef? C'est là le hic. Y'en a Comment pas? ça? Vous avez pas... Ils sont partis. Et pourquoi? Comment ça, ils sont partis? Pas assez d'argent. Ah! Attendez, et en plus, il faut... Attendez, vous avez une équipe de secours?
Et ils ont pas assez d'argent? De quoi? Et vous les appelez jamais à l'aide? Mais non, c'est qu'ils a, ils a, les gens qui est sauvé ne payaient pas assez, et du coup ils gagnaient pas assez, du coup ils sont barrés pour ça. C'est une petite île ici, c'est très dur de démarrer, hein. Et comme je vous l'ai dit, le village vient juste de se créer pratiquement, donc du coup bah... Oh les ingrats quoi. Je vous fais le dire, d'après ce que j'ai compris, là ils sont partis pour une autre mission et ils reviendront peut-être bientôt. Mais il y a bien quelqu'un qui gère le truc en attendant, non? Il n'y a pas quelqu'un qui gère quand même tout, Malheureusement, non. Ils nous ont dit la dernière fois que là, ils effectuaient leur dernière mission sur l'île et ensuite, ils avaient l'intention de partir. Est-ce que vous savez dans ce cas s'il y a des formateurs ou s'il y aurait la possibilité de créer notre propre équipe de secours? Ça nous donnerait peut-être l'occasion de vous entraîner et de vous aider. Formateur, je crois que vous n'en avez clairement pas besoin. Vous m'avez l'air de très bien vous débrouiller. Mais en revanche, pour vous inscrire, oui, ça, c'est obligatoire, il vous faut un badge, c'est primordial. Je pense que quand... Pardon. Ah bah, vas-y. Vous les trouverez justement à la capitale. Bien, je pense que ce sera notre prochaine destination après ce petit village. Ah oui, mais le problème, c'est que ça coûte des sous. On peut pas s'y rendre. Ah bah, c'est sur une autre île. À la limite, ce qu'on pourrait faire, on pourrait faire un marché avec vous, enfin avec le maire du village. Ça serait que on vous offre nos services de secours pendant un moment, le temps que nous puissions, avec les entre guillemets les fonds que vous récoltiez, nous permettre de pouvoir aller chercher un badge. Ça serait du donnant-donnant. Nous vous aidons et vous nous aidez en retour. Ça peut se faire. Bon, on discutera de tout ça plus en détail quand on sera au village, et je pense qu'il faudra aussi l'accord des villageois, mais on pourrait discuter dans ce sens-là. Ne vous inquiétez pas, honnêtement, eux, une équipe de secours, au contraire, ils seraient très contents. Oui, mais une équipe de secours non officielle qui n'a pas de badge, ils en... Oui, tiens, écoutez, vous en doutez, Que nous sommes des bénévoles. Voilà, en attendant... Vous savez, la plupart d'entre nous, surtout à notre époque, on a plus envie d'une vie calme. Ce que je conçois très bien. Mais vous dites que vous allez partir en retraite, mais vous avez quel âge? J'ai 381 ans. Ça se demande pas, ce genre de choses. Quoi? Vous avez cet âge-là, mais vous les faites pas? Ok, toi, tu es définitivement débile. Je confirme, c'est très dur de se le trimballer avec soi tous les jours. N'est-ce pas, Seiko? Ah, putain. Maman, elle a dit qu'on n'avait pas le droit de se dire ce genre de choses. Bon, allez, moi je vais me coucher, c'est pas que, mais voilà. Bonne nuit à vous et à demain. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je fais dans ma carapace. Quand tout le monde se sera couché, j'aurais pris peut-être un ou deux à l'écart, en faisant en sorte que le simulacre et le métamorphe n'entendent pas. Et j'aurais dit là, à voix basse. Là vous êtes sur la même branche, donc ça va pas être possible. On va dire que le lendemain matin, vous pouvez effectivement. Se dire des cachotteries. Vous dire vos cachotteries, en effet. Les gars, est-ce que vous pensez qu'on aurait été transporté dans le futur ou dans une autre dimension? J'opte plus par l'autre dimension plutôt que le futur. Après, c'est peut-être possible que ce soit un futur possible. Il faudrait en apprendre plus sur le passé. Pour l'instant, je penserai plus sur le futur. J'entends l'histoire de Pokémon qui maîtriserait le temps. Ça me semble plus plausible. Mais ce serait triste. Pourquoi les humains auraient-ils disparu? Et surtout, pourquoi on est un Pokémon et on n'aurait pas disparu avec nos congénères? C'est une grande question quand même. En effet. Parce que est-ce qu'ils ont disparu ou est-ce qu'ils se sont tous transformés en Pokémon comme nous? C'est probable. S'ils étaient transformés en Pokémon, qu'ils auraient conservé leurs souvenirs, alors pourquoi les humains sont-ils aussi détestés? Je sais pas. Après, conserver les souvenirs, oui, mais bon, tu n'as plus les mêmes façons de procéder puisque tu n'es plus humain. Donc tu n'as plus les mêmes matériaux de construction, tout ça, t'es obligé de t'adapter en fonction de ta taille, en fonction de qui t'es métamorphosé.
Je veux dire, moi, vu mon truc, si tu veux, vu comme je suis, je peux pas... Voilà. Je veux dire, je pense pas que je vais pouvoir faire ce que je faisais avant. Hein. En effet, mais ça ne change pas ton avis. Est-ce que tu ne te mets pas soudainement à réprimer les humains, à détester les Pokéballs, à détester les combats ? De mon côté, je suis toujours autant une grande amatrice d'eux. Ah oui, 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 ça, c'est... l'un n'empêche pas l'autre, c'est sûr. C'est même différent d'ailleurs de se retrouver à la place du Pokémon où on était, qu'on envoyait avant. Ça fait bizarre. C'est vrai. Mais je sais pas, t'as une plus grande sensation de puissance, étrangement. Et également, tu sens mieux les coups. Oui, aussi. Ça fait... je me doute bien. Ouf, je me voyais qu'elle se frotte le bras là où elle s'est fait piquer par le Darven. Je peux encore sentir la piqûre. Eh ben, gratte pas, ça peut s'infecter. Oui, j'ai déjà été guéri avec les bébés chats, ça devrait aller. Ouais, bon, on se jamais. Baby chat, pardon. Ça va échapper. Oh non. Max, tu es fatigant, tu vois, je tiens. C'est la faute à mon neveu. Et je pense qu'il faudra qu'on aille au village pour en avoir plus déjà. Ce sera une bonne idée. Est-ce que vous voulez demander quoi que ce soit au monsieur ? Pour ma part, non. Différents moyens de transport existants dans le monde. Ah, le seul moyen que je connais, c'est le Wailord Express. Ah, c'est original. Ouais, et pour le vol, c'est le Petitpont Air Force. Je sais pas, moi. Quoi ? Non, ouais. Les Petitpont ne sont pas des détecteurs de lettres ? Les Petitpont, ah si, ils vous apportent souvent les lettres, mais il n'y a pas de système de transport de vol. Ah ouais, s'il y a des tempêtes dans l'eau, quand vous êtes à l'eau, comment vous faites ? Bah, il n'y a pas de transport. Et il n'y a pas des Pokémon vol qui peuvent aider ? Ah bah, il y en a certains qui peuvent aider, oui, mais individuellement, il n'y en a aucun qui... Il n'y en a aucun qui sont suffisamment nombreux et suffisamment grands pour pouvoir permettre une telle... Ça a peut-être été tenté une fois, mais je crois que ça... Bah, visiblement, ça n'a pas marché, parce que bah, je ne le connais pas. Pourtant, je suis le maire. Ouais, c'est pas faux. Oui, monsieur le maire. Nous ne l'oublierons pas, ne vous inquiétez pas. Il y a intérêt. Nous remercions de nous accueillir dans votre village. D'ailleurs, hop, j'ai oublié de mettre ceci. La forêt que vous voyez. Oh, que de souvenirs! C'est dans cette même forêt qu'on a trouvé... Oh non, mec, me dis pas que c'est ce que je pense. La putain de forêt, on a trouvé le métamorphe. Ça, c'est mon téléphone. Pardon, du coup... Qu'est-ce que vous dites, faites Juste, cette forêt nous dit quelque chose ou pas? Oui. On est d'accord que c'est bien la forêt que... De quoi? Que la forêt où on a trouvé un livre qui en fait était un métamorphe. C'est une forêt, il n'y a rien de spécial. Et je te rappelle qu'on a... on s'y est promené hier pour aller sauver un simul-arbre. Oui, c'est vrai. Oui, donc ça reste une forêt. Zephyr, pour répondre à ta question, je crois que le métamorphe, si je dis pas de conneries, n'a pas de sexe. Ouais, justement, donc tu peux tout dire. Ouais. Effectivement. Alors, est-ce que vous voulez dire, demander autre chose à monsieur le maire ? Moi, pour moi, non. Non, rien du tout ? Moi, je crois pas. Ok. Je sais pas. Ah là là, je regrette tellement d'être KO. Alors, par contre, durant le voyage, vous auriez pu... vous avez eu des questions et des regards insistants de la part de Simul-Arbre. Le seul gamin, vous savez, quand est-ce qu'on arrive? Vous avez des doux? Vous avez de quelle île? Je vous demanderai donc... quel a été votre comportement par rapport à Simul-Arbre lors de ce voyage particulièrement pénible? J'ai envie de te dire, à partir du moment où t'as passé l'aventure avec Akai, concrètement, un petit Simul-Arbre, c'est rien. Donc je suis resté calme.
Moi, je me promène à l'écart pour éviter justement ce genre de questions. Ok. Orastis. De mon côté, je vais regarder au niveau du simulacre, essayer de répondre à ces questions en évitant les sujets qui fâchent. Rester quand même le plus, on va dire, correct par rapport à mes souvenirs, du genre si je dis d'où je viens, bah, je vais continuer de dire que je proviens de la jungle, Yang, qui a peut-être changé entre temps. Très bien. Seiko. Moi, je fais comme Zuko, je reste à l'écart. Et toi, Zephyr. C'est pas une réponse, ça. Ah, je suis KO, donc bon. Ah oui, c'est vrai, merde. J'avais oublié. Bah du coup, vous auriez pu voir qu'au bout d'un...